Bonjou, bonso tout moun. Nou kontan wotrouve yo wikend sa pou yon lot emisyon analize, analize kap gen pou l retoune sou sa ki pase pandan semen nan. Semen sa, yon nan pi gro nouvel ki sanse tombe e kwen an pi l moun tapre tan ni, se arrive de promye konten jan kenyan yo, piske nou kontan depi kelke tan bandi yo pa suspande si men la teror nan kapital la nan la arti bonit, nan entre sud kapital la siotou yo ap tae ban nan mouman, e resabman la se Mairie, quoi des bouquets que bandit 400 Marozo incendié. Eh bien, Monsieur Kenyayo qui est entré, il y a 200 qui sont entré dans l'ambitance maintenant et 200 ça lit pour un paquet de monde pour l'espoir, mais il y a un qui qui le y a entré en action. Pendant ce moment tout, il y a eu une résolution qui pendant OEA côté que le ministre des affaires étrangères au pays d'Haïti a parlé de Madame Dominique Dupuis, il y a eu une question aide humanitaire qui censé caverner une population, surtout qu'on a presque la moitié de la population dans grand selon tout dernier chiffre qui publiés publié par l'autorité de l'ONU et même l'autorité de, de la CNSA dans le pays d'Haïti, fait qu'on que en pile dans la Grand-Gou, presque moitié de la population et en pile dans le c'est monde L'autre bagarre qu'ils fait c'est que le Premier ministre le gouvernement continue à faire des rencontres, et récemment, c'est avec l'association industrie d'Haïti. C'est le monde qui est dans le secteur privé à oui. KULT. Et puis, il y a des rencontres qui sont faites avec la société civile pour être capable au moins, de permettre que l'on et comprenne qui est dans la feuille de route du euh, gouvernement là pendant des années qui parlent pour l'impôt entré et même tout pendant une période de transition. Pour nous tourner sur tout l'élément, à clôt encore, je dis à nous gagner un privilège de recevoir l'ancien ministre de l'Éducation nationale responsable initiative société civile, professeur René Desroches. Bonjour professeur. Bonjour ma Je moi salue tous les euh, téléspectateurs et téléspectatrices de Télémétropole. Première question, on a venu comme ça, professeur. Qu'est-ce de devenu, monsieur Kenyayo Bon, moi je crois que c'est un bagage que en pile monde dans population à tant que c'est sec, taper la pluie parce que mm -hmm. nous connaissons, jean, population a souffert en pile de dégâts euh, bandits causés un peu partout dans le pays. Et nous n'avons pas besoin de rappeler toute souffrance que la population haïtienne en connaît, monde qui a obligé de quitter Caillou, monde qui, je dis, vivent vivre dans des conditions euh, infrahumaines, dans des centres d'hébergement, des monde qui a obligé de courir et aller en province, des monde qui de quittent quitté pays à tout. Traumatisés, et puis le petit monde qui va avoir à l'école. Donc vraiment, la population est en grande souffrance à cause de l'insécurité. Moi, penser que l'arrivée des Kenyans, ils son lieu d'espoir que lier que capable de rétablir, que nous sommes capables de joindre sécurité d'un pays avec appui que pourra le porter à la police nationale et mais surtout, à l'armée d'Haïti. Professeur Derouache, il y a des gens qui pensaient que la question sécurité-là, sécurité là, est capable, parmi les priorités premières, pour ne pas dire les premières priorités, mais il y a l'autre réflexe qui pour connaître qui est venu qu après. Ce matin, il y a un ancien général dans l'armée américaine, qui est le général Honoré, Russell Honoré, qui parlait de 2 milliards de dollars à l'état de juin, coup ni à même pour commencer à réparer les dégâts que les bandits ont fait l'hôpital qui boule et environnement qui affecté l'école Simon aller, nous-mêmes qui est société civile c'est comment on comprend l'approche ça est-ce que son approche que nous ouais pendant un moment là qui est à fait parallèlement ou bien nous a dû tant de qui sécurité comment s'établir pour ne pas problème ça pour ne commencer à bon moi penser que il faut que à aborder question de des infrastructures que yo doit réhabiliter mm -hmm. euh, par exemple si on prend la question des commissariats qui ont été brûlés, qui ont été saccagés, etc. Je pense qu'assez rapidement, il va falloir les remettre en état de fonctionnement. Parce que si vous voulez que les, la police nationale, l'armée d'Haïti, la les forces multinationales qui présentent sous terrain, efficaces, il faut que vous gagniez des infrastructures, côté au capable d'abriter côté au capable euh, et euh, présent n'est-ce pas, pour contrôler les territoires-là, etc. Ou bien d'autres infrastructures qui sont extrêmement importantes, c'est par exemple euh, les prisons, pénitentiaires, etc. Mm -hmm. Que messieurs finent crasés, finent boulés, etc. Or, euh, certainement, un appel qui lance pour messieurs qui sont capables de déposer les armes, mais nous connaissons que ce n'est pas tout le monde qui peut déposer les armes. Ou bien, si vous déposez les armes et ici, vous bien peut-être trois ou quatre euh, ailleurs. Euh, donc ça veut dire que quand même euh, après il y a un affrontement et dans l'affrontement Kravab-Genègue est obligé d'arrêter maintenant arrêter il faut je d'un côté pour mettre eux en lieu sûr n'est-ce pas en attendant qu'il y ait un euh, qu'il y ait une sanction qu'il y ait mérité etc donc il y a beaucoup de problèmes de ce genre à résoudre d'ailleurs euh, la Banque mondiale avait organisé il y a de cela plusieurs mois ont réunion côté que ont montré que Haïti est éligible à un fonds spécial que ont gagné pour tout pays qui sortit de la guerre. Or ont considéré que Haïti n'a salié, journée et du point de vue de la sécurité. c'est encore un pays qui sortit de la guerre. Parce que non seulement nous gagnons en pile d'hommages qui fait au niveau de la population civile, mais au niveau des infrastructures aussi, pile d'égards qui fait. Donc nous pensons que le gouvernement haïtien, lit doit très rapidement sollicité Banque mondiale pour être capable d'accéder euh, à fonds Fonsaio, parce que Haïti est éligible pour ces fonds. Euh, bon, général, on a parlé de 2 milliards. Mm -hmm. Par contre, la Banque mondiale, pas quoi que Banque mondiale, disposait Alors, de 3 3 3 2 3 milliards, milliards mais il euh, y a bien plusieurs millions qui disponibles pour Haïti. Moins sûr que la Banque américaine de développement, euh, certainement capable de gagner des fonds de ce genre. Euh, le Fonds monétaire mm -hmm. international, international qui a aidé Haïti aussi. Euh, à, à plusieurs occasions, capable de disposer de fonds à eux, qu'il faut qu'il y ait des planifications rapides qui fêtent, euh, parce que l'espoir, ce n'est pas seulement le fait que Bandio ne vient euh, terroriser population encore, mais l'espoir, c'est aussi le travail. Mm -hmm. Et parce que quand pile monde qui perd du emploi à eau, quand monde qui euh, euh, a anti un petit business, qui est obligé de un business là, moi, euh, proche du secteur de l'éducation, je parle avec un pile directeur de l'école qui ferme l'école depuis février. Mm -hmm. Et il a demandé en septembre-là, qu'est-ce qui arriver Est-ce qu'il est qu a capable de l'ouvrir Est-ce les vieux capable de venir Etc. Donc, il euh, y a des dispositions qu'il peut prendre. Et me pensait qu'il y, y a un système de crédit que l'État doit mettre à la disposition de monde qui perdent du caillot, de propriétaires qui perdent du business, yo, de directeurs d'école qui perdent du infrastructure scolaire scolaire. Donc, toute question économique sérieuse, il faut que parallèlement, ils commencent à réfléchir sur yo et prendre des dispositions pour améliorer le quotidien des Haïtiens. Mm -hmm. On ne pas d'approfondir approfondir la question économique, mais il y a une approche. Bon, on s'est le tout petit. Le Premier ministre a de... Il dit, bandit, vous déposez les Bon, après, ce qu'il a fait là, il y a pas connaissance de ce a fait. Il y a des gens qui ne pa comprennent pas l'approche là. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils disent, le Premier ministre n'a pas besoin de dialoguer avec les gens, n'a pas besoin de parler à les gens. Il y a des gens qui disent que le Premier ministre a dit, marchez pour un bandit. Donc, c'est qui la compréhension de la de, déclaration ça Est-ce que le Premier ministre est politiquement correct Ou bien, tout, euh, a tant de populations, les gens de la population en souffrance, ils ont besoin de résultats. T'as donc un discours qui est plus amer, plus acide, envers Bandio. Bon, moi, je crois que le euh, discours pour, pour le Premier ministre, il est politiquement correct. Mm -hmm. Parce que euh, même lorsqu'on parle dans la guerre avec une autre nation, avec un autre pays, n'est-ce pas, avant même qu'on attaque le pays, il faut chercher une solution à l'amiable. Mm -hmm. N'est-ce pas, première démarche-là, c'est parce que l'affrontement... C'est jamais une solution euh, enviable. Ce n'est pas enviable pour l'adversaire, ce n'est pas enviable pour eux-mêmes. Parce que vous avez gagné des pertes de vies humaines dans le mm -hmm. camp à vous. avez gagné des, des pertes côtés. des deux côtés. N'est-ce pas? Donc, l'affrontement, euh, ce n'est pas la première démarche. La première démarche, c'est que ouais, vous êtes capable de une solution à, à, à une image à diplomatique. Puis, la, la, parler avec vous-même. La mm -hmm. deuxième chose aussi, c'est que même a un pays qui parle en guerre, il commence par faire une déclaration de guerre. Mm -hmm. Il faut que l'annoncez euh, adversaire-là, que il décide pour entrer en guerre avec lui. Donc, quelque part, il faut qu'on discute, il faut qu'on parle, qu'il parle. Maintenant, ce n'est mm -hmm. pas seulement euh, la nécessité d'avoir euh, un dialogue. D'ailleurs, dans beaucoup de situations euh, à peu près similaires, à situation que la vive dans le pays d'Haïti a gagné deux modalités pour que y ait un dialogue comme ça, fait. Premièrement, il y une modalité pour que y un processus parallèle qui fait, soit avec Bandia. Par exemple, dans le cas d'Haïti, nous gagnons, ça aurait CNDDR, c'est la commission nationale. De démobilisation, désormément, de désarmement et, et de réinsertion. Avant de continuer, professeur, il y a un qui est capable de ne pas dire que les résultats. Sinon, il ne va pas dire que ça ne vient pas À la vérité, à l'époque euh, du président Préval, mm -hmm. il y bail quelques résultats. Parce que je ne on s'est tellement songé. Qu'avant le président Préval prend pouvoir deuxième fois, c'est une mm -hmm. période qui était l'opération Bagdad. Mm -hmm. C'est une période extrêmement difficile. Le président Préval vient, il dit posez, posez, posez. Et l'été, il y a un certain calme, n'est-ce pas, mm -hmm. de ce point de vue-là. Donc, nous ne pas capable de dire qu'il n'y a aucun résultat. Si me pas, trompé, euh, Monsieur a M. Fizemé, Boulon Fizemé, qui était responsable, n'est-ce pas, de cette euh, instance, mm -hmm. n'est-ce pas, CNDDR. T'as gagné quelques résultats qui te baillent. Euh, bon, moi, je dis, je ne sais pas si cette structure est vraiment opérationnelle. Mais en tout cas, il faut que vous mettez Parce que si y a des gens qui veulent déposer de Zamio, il faut permettre de déposer Zamio. Vous comprenez Et bon, naturellement, si y a un... ki pa vle depose des am, ki vle afrontman, i fo al afronte yo, nespa, e a se mouman la, sakri vle arrive, e se saten. Metenan, euh, euh, moun ki vle depose des am yo, nespa, parfwa se kapab de jen, nespa, se pa blye ke gen anpil nan moun arme sa yo, se son de jen, se son de mineur ke yo ye. Ou mineurs ou pas capable de euh, traiter le d'un qu monde qui est majeur, qui est adulte, etc. Au pour contraire, ça, il, pardon, il faut réinsérer les dans la société. Mm -hmm. Bon, on connaît que il y a des dispositions qui apprennent, qui a préparé des centres de, de transition, réinsertion, de... De réinsertion mm -hmm. euh, pour euh, jeunes, pour mineurs. Ça y est. Donc, ce sont des questions extrêmement complexes. Maintenant, mm -hmm. on y l'autre aspect question qui est extrêmement, extrêmement délicat. Ces bandits, ces gangs évoluent dans des zones, n'est-ce pas Nous capables des zones de l'endroit, nous capables des zones fragiles. Difficile d'accès euh, Difficile d'accès, etc. Mm -hmm. Mais il faut penser à la population, ça. Est-ce qu'on est capable de rentrer dans la communauté Sayo et puis euh, vide des âmes, vide des cartouches sur tout le monde, sur des mondes qui parviennent des âmes dans les mains, sur des petits etc. Or, euh, certainement, il ne faut pas euh, écarter le fait que Bandio pourrait utiliser les comme des boucliers humains, n'est-ce pas Donc, on n'est pas capable non plus de euh, créer... Euh, N'est-ce pas, il y a une crise euh, humanitaire en, euh, à partir des opérations. Euh, quand même. À partir des opérations, ça va pour faire un pile dommages Dommage collatéraux. collatéraux. Mm -hmm. Donc, il faut qu'il y ait certaines précautions qu'il prend. Alors, M. dit dit qu'il y a une modalité qu'il a utilisée, c'est euh, faire un processus parallèle. Et bon, c'est CNDDR, là, on croit qu'il faut que de toute façon, il remettre en fonctionnement, en opération. Euh, deuxièmement, et il faudra bien doter le tout de moyens et de monde compétent, mm -hmm. etc. Il y a une deuxième modalité que souvent ils ont utilisée, c'est euh, prendre un monde qui est proche de Bandio, mm -hmm. mais qui lui-même n'est pas impliqué dans le crime, et puis vous dialoguer avec lui, n'est-ce pas, comme une sorte mm -hmm. d'intermédiaire mm -hmm. qui est capable avec le monde. Parce qu'il faut aussi penser que euh, son situation est extrêmement complexe. Même les bandits eux-mêmes ne sont pas les seuls responsables. Les gens qui ont écrasé l'armée d'Haïti, les gens qui ont demandé coopération entre et bandits avec euh, la police, etc., tout le monde sait où on parle de responsabilité. Les gens qui financent les gangs, ils parlent de responsabilité. N'est-ce pas, les politiciens qui euh, euh, utilisent pour leur hommes d'affaires, les hommes d'affaires qui utilisent eux, etc., ils parlent de responsabilité. C'est pour ça que, bon, naturellement, il n'est il, il il pas question de déclarer une amnistie pour ces gens qui ont fait tant de mal à la population, mais pensez qu'il faut que enclencher, ça aurait l'air un processus de justice transitionnelle, n'est-ce pas C'est-à-dire une justice qui prend le tenir compte du contexte-là, une justice qui l'a... Pour euh, réparer les torts qui ont été faits, pour que les qui sont victimes soient capables de jouer justice, les mm -hmm. qui était commettent les exactions soient capables de jouer sanctions que vous méritez, prison, etc., tout en tenant compte du contexte général. Et la justice transitionnelle a comme finalité la réconciliation nationale. Parce que si nous n'arrivons pas à une forme de réconciliation nationale, mm -hmm. nous papes pas sortir la donne. Parce qu'on n'a pas besoin des veines d'État qui vont continuer encore, etc. C'est parce que notre société a pris euh, un, 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 un mauvais chemin, mm -hmm. n'est-ce pas, le chemin de la violence, au lieu de pour, prendre pour le chemin de la justice, n'est-ce pas, parce que si tu as rien la présence de l'État dans toute... Euh, et, et zone de l'endroit sao y eh bien, nous ne pouvons pas avoir un type de résultat ça est. Si l'État est là pour faire service services, si l'État est là pour bailler la sécurité, si l'État est là pour mettre l'école, mettre l'hôpital, etc., nous ne pouvons pas avoir tout ça. Euh, si euh, – Ils pas se exclu et ils ne pas aller un autre moyen pour yo et, faire valoir ça. – Exactement. Bon. – Dis-moi un aspect, professeur Desroches. Mm -hmm. Les Nations Unies étaient sorties en rapport, notamment à l'UNICEF. Je est que la majorité de gagnants 50 effectifs yo, c'est des mineurs. Est-ce que, par rapport à ce que vous donnez, vous avez une approche spéciale dans le cadre d'opérations que vous avez menées? Définitivement, une approche spéciale. D'ailleurs, les Nations Unies ont une convention que en pile pays signaient, et je crois que Haïti a ratifié la convention ça sur la question des enfants armés, mm -hmm. des enfants mm -hmm. qui allaient dans la guerre. Bon, naturellement, c'est la première fois que nous-mêmes, qu on a un cassaillot, mais en Afrique, dans d'autres pays, mm -hmm. cassaillot est très courant, des enfants ont armés, etc. Donc, on n'est pas capable de traiter ces gens, tant qu'on des adultes mûrs, réfléchis, qui connaissent qu ça à eux, fait. Il faut qu'on euh, euh, prenne des dispositions spéciales pour protéger ces enfants et pour les rééduquer, pour les réinsérer dans la société. Donc, euh, d'ailleurs, nous connaissons que les Nations Unies les pré sont présentes dans la situation haïtienne. D'ailleurs, même la force kényane qui est là, euh, les autres nations qui seront présentes, nous l'espérons, euh, à côté des Kenyans, sont là euh, sous l'égide des Nations Unies même s'ils sont forces multinationales, ce n'est pas une force de maintien de la paix des Nations Unies, mais c'est eux-mêmes qui prennent une résolution qui permette force à venir en Haïti. Donc, ils auraient été saisis sur la question, Il y a plusieurs question, 1, non seulement du point de vue de l'évolution euh, des questions sécuritaires, mais du point de vue du respect des droits de la personne humaine. Mm -hmm. Même si Thaïl est en, en disposition spéciale pour être capable... jere sa ak ti moun yo, men gen moun kap di ken a vide yo kap publie kote ki yo ti moun yo goun nivou de kruyote ou kon wè, yap vide e, kaoutchou yap boule, vide sou moun yo yap bat moun yo yo tire moun, moun kon ap wete vide yo kote yap tire e, eske nan mouman la nou pare pou reinsere yo eske nou gen desan de rodresman de reyelman ki kapab reinsere ti moun sa ou nan sosite ya nou konser Mikol nou konser Mikol ki pa bayi otan de rezultat ke yon tak a espere. Et pour le moment, à cause de l'ensemble d'espace et milieu carcéral qui s'en s'écraser, c'est là yon mette yon paket moun ki te nan prison, soit nan penitentie nationale, soit au niveau de kabaret. Donc, je vous dis, Allah, est-ce que nous partons de tout penser à des centres de redressement pour Timon Zaharou? Moi, m'crois que gagnez les démarches qu'a fait dans ce sa. sens-là Euh, d'après ça, vous m'entendez, ça me connaît Je euh, moi quoi que gain des démarches mm -hmm. à faire pour préparer des centres maintenant qui capacité au gagnant pour réinsérer tout le pour euh, capable changer euh, mentalité, ah, yo, façon de penser, yo. Yo, comportement, yo, etc. Mm -hmm. Bon là, on aura le besoin des psychologues, on aura le besoin des Mais euh, ça, nous capable dit, c'est que de toute façon, mm -hmm. la société haïtienne a une responsabilité par rapport à ses enfants, parce que si Timon atteint atteint niveau de cruauté, ça, c'est mm -hmm. parce que ils ont été poussés, n'est-ce pas, sous macadam, mm -hmm. n'est-ce pas, dans le coup de n'est-ce pas? Ils mm -hmm. souvent souvent pas de gain l'encadrement familial qui est capable d'aider, ils yo pas de gain non plus l'encadrement scolaire que tu as besoin qui te permet d'intégrer. Les valeurs, les valeurs de compassion, les valeurs d'intégrité, les valeurs de, de charité, etc. Et bon, ils ont développé une forme de cruauté. Et d'ailleurs, cruauté, ça, c'est une forme de colère, tout, que lié par rapport à ça, eux-mêmes, ils ont subi. Mm -hmm. D'accord mm -hmm. Donc, il faut que ce soit été organisé pour être capable by faire des choses, des choses, euh, bon, il y peut-être qui n'est pas capable de profiter de ça, même supposé qu'il qui est capable de profiter de ça. Mais, mais en tout cas, c'est une responsabilité morale que la société a. Mais en tout cas, et il faut bien le dire qu'il n'est pas question d'amnistie des mondes qui ont euh, fait tant de mal à la société, qui continuent à faire un pile mal à la société. Il faut que euh, particulièrement les adultes yo recevoir sanction que yo mérité, même si euh, ou considéré dans qui atmosphère n'est-ce pas ils tapé évolué, qui conduit à à type de comportement extrême. On va observer ça dans pas longtemps ou je m'a continuer sous même lancer ça avec vous pour moun qui peut être adultes qu'on y a là puisque prison crasée si monsieur y a une d'opération, opération il va mourir il va arrêter qui côté il va le mettre voilà bon moi-même moi, moi pensais que devait commencer avec chantier de reconstruction des prisons mm -hmm. déjà qu'on y a là parce que et non pas capable euh, dit que qu'on va craser tout le monde ça etc supposons que on en côté pour que Negrali levait deux mètres mm -hmm ou comprendre en l'air, ou bien euh, les agitant la drapeau blanc, ou pas capable de m'aider, ni, ni euh, Udmoa, ni Kenyan, pour aller tirer sous l'île. N'est-ce pas mm -hmm. Donc, à ce moment-là, il faut prendre il faut jouer nos côtés pour mettre en prison, et il faut faire des réformes, tout au niveau pénitentiaire, pour que, et aussi au niveau de la justice. Mm -hmm. Parce que souvent... Juge, qu'on lague tout sous prétexte que dossier a mal monté, que n'a pas retenu rien contre eux, etc. Ou bien parce que Monsayo y'a qu'on juge mm -hmm. tout. Donc il faut que nous travaillions au niveau de la justice pour que Monsayo gagne et quand même des conditions euh, carcérales qui permettent que yo purgé peignyo euh, comme euh, ça doit. Merci professeur Deroche. Nous wash. l'observer pour ça. On va observer l'émission analyse qui passait sous antenne Radioactile Métropole en même temps. Chaque samedi matin, sorti 9h et 10h. Au président, c'est chaque lundi soir, 7h8h. restez sous antenne Télé. on apprenait tout de suite. Métropole. Avez-vous déjà téléchargé l'application Métropole Haïti Faites-le maintenant pour suivre toutes les émissions de Radio et Télémétropole sur votre tablette ou smartphone. Avec l'application Métropole Haïti, vous pouvez aussi réécouter quand vous le souhaitez les principaux journaux de Radio Métropole et les émissions phares de Télémétropole. Téléchargez maintenant sur App Store ou Google Play l'application Métropole Haïti. Métropole, la source d'information la plus crédible d'Haïti en action vers de nouveaux horizons. Merci pour fidélité, ou, ou même qui branche l'analyse pour la première fois. C'est une nouvelle émission sous antenne Radio Activité Métropole, ou même qui a regardé sur YouTube. Nous sommes très contents de gagner. On parle de monde qui a visualisé l'émission, qui a qui je c'est le professeur René Desroches qui est avec nous, qui a commenté l'actualité avec nous. Dans la première partie, nous avons regardé exactement les forces qui est entrée, opérations qui est jeu les enjeux, les gens enjeu, enjeu qui sont yo, milieu les milieux carcérales, les prisons qui sont prison écrasées. Donc, on n'y a de problème qui existait, pas vraiment de gagné pour redressement redressement de Tout si toutefois, ils sont capable de rejoindre, de prendre sans que il ils même pas d'en faire des dommages collatéraux, de tirer, de réinsérer dans la société. Nan dezem partien, pral gen pou nou e d'ot eleman, men, Profesor Deroche, poumya kisyon pou ou? Depi kek tan, sosyete sivil la pratikman, nan papal di ke li inaktiv, nan, aktor yo la, men, nan apmande nan konteks nou ya la, se ki wol nou ka jwe, se ki sa nou ka fe pou nou kapab ede rezoud. Mwen konen, gran pil, nan asosyasyon yo, aktor yo, ki integre de struktur pou yo fe de proposisyon politik, Mais je dis là, nous avons besoin de concrets. C'est qui nous c'est qui ça nous a fait, nous-mêmes en tant que société civile, pour que nous aider à résoudre ce problème-là. Bon, euh, par exemple, il y a un dossier que nous-mêmes, au niveau de l'initiative de la société civile, nous penchons sous le lit et nous, nous pensons que c'est un dossier qui est extrêmement important. C'est ça, Aurélie, la police communautaire. Mm -hmm. Parce que, et ça crivait, nous le dit tout à l'heure, les gagnants ont l'absence de l'État dans tout quartier euh, vulnérable, ça eu, les zones de l'endroit, l'État n'est pas de présent en termes de sécurité, l'État n'est pas de présent en termes de services, etc. Nous pensons que je il faut que les gagnants une réflexion pour que les gagnants, ça m'est d'abord, ils ont police municipale, à côté de la police nationale d'Haïti, soit qui gagne une approche, on ne peut dire militariste, mm -hmm. une approche de répression, il faut gagner une police, nous ne peut municipale, mais qui a une approche communautaire. Qui a plus brigadier, militaire. par exemple c'est-à-dire que son, euh, les gains, d'abord, ils ont approche plus préventive mm -hmm. que répressive. Ont approche répressive, mm -hmm. d'accord euh, Bon, il y a un grand spécialiste des questions de sécurité d'un pays A qui écrit un livre, c'est M. James Boyard, mm -hmm. euh, le procès de la sécurité, qui dit que dans la question de sécurité, eh bien, euh, c'est 80% de prévention mm -hmm. et 20% de répression, c'est ça qui est la norme. Tandis qu'en Haïti, c'est euh, 20% de prévention et 80% de répression. Or, nous devons nous mettre accent sur euh, prévention. Mm -hmm. C'est-à-dire avec une police communautaire, les capables police municipale, n'est-ce pas, qui est en contact avec la population qui euh, connaît tout groupe qui a évolué, les jeunes, groupes sportifs, groupes culturels, etc. Mm -hmm. Et qui euh, connaît sa capacité. On voit une seconde bagaille qui a développé et qui mal pour la société, qui qui a été capable d'intervenir. Et ils ont gagné comme euh, mot d'ordre tolérance zéro. Par exemple, euh, regardez ce qui se passe dans nos marchés. Mm -hmm. Nos marchés sont de euh, euh, véritables zones de désordre, n'est-ce pas? Euh, bon, le mot qui me vient à l'esprit, je ne peux pas le sortir, <laughs> n'est-ce pas? <laughs> à votre, sur votre antenne, mais il euh, faut que ça cesse. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'au gagne des policiers, des policiers municipaux, qui euh, disent machin mais côté place où mm -hmm. d'ailleurs, euh, je dis à par quoi que au 21e siècle, nous sommes capables d'accepter dans nos villes, que ce soit à Pétionville, que ce soit à, à, à Port-au-Prince, que les gens ont étalé les marchandises à terre mm -hmm. et que les et, et acheteurs la, l'a baissé pour le ramasser l'eau patate ou l'eau carotte, etc. Ils ont dans tout pays, dans les Caraïbes. La, Jodia dans tout le marché, où, où il y a des, des, des étagères, étagères, il y a des étals, côté que des disposés, fruits, légumes, mm -hmm. tout le bagaille où, où de façon correcte, de façon présentable, de façon hygiénique. Mm -hmm. Donc, ça veut dire qu'il faut, nous, gagner des euh, policiers qui sont capables de maintenir l'ordre ça Vous comprenez euh, bon. Donc, on croit que nous avons besoin police communautaire qui non seulement capable d'aider nous pour la salubrité, mmh. euh, n'est-ce pas, de nos rues, de nos marchés, etc., mais aussi pour, n'est-ce pas, la sécurité, parce que sécurité a... Euh, se avèk euh, tolérans zéro ke lou komanse. Mm -hmm. Se avèk tolérans zéro, se avèk sou yon vie kakas machin ki mm -hmm. pa gen plas li nan la ouya, se fè ou retirel, li pa gen dwa la a, Euh, il faut gagner des fourrières, des zones qu'on soit pas capable de déposer, déposer et, 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 etc. C'est par là que commence, parce que et vieux est capable de servi pour nous cacher. Et n'importe et, qui barraille là-dedans capable nous cacher cacher tête pour nous causer un acte, etc. Donc, vraiment, tolérance zéro, que l'ordre commence, n'est-ce pas, à être rétabli dans nos villes, dans nos quartiers, etc. Nous n'a pas réfléchi en sous euh, question ça. Nous a une autre question extrêmement importante à réfléchir sur lui. Mm -hmm. euh, C'est la question de nos communes. Euh, regardez euh, l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, il gagnait près de plus de 3 millions d'habitants. Et combien de communes, il gagnait il y a à peine 7 à 8 communes, n'est-ce pas, la dernière. Ça veut dire qu'il y a un taux d'habitants par commune élevé, ce qui signifie mmh. que ce, mmh. sont mmh. ce sont des communes ingérables. Ce sont des communes ingérables. Nous-mêmes, nous avons réfléchi en pile, nous avons parlé ça avec plusieurs groupes, n'est-ce pas, pour augmenter, en tout cas dans nos villes, le nombre de communes. Mmh. Juste pour me en comparaison. Il y a un pays, la Suisse, qui gagne le même nombre d'habitants qu'Haïti, 12 millions, okay? mm -hmm. et avec une superficie à peu près semblable, légèrement euh, plus grande. Vous mm -hmm. connaissez combien de communes y a 2130 communes à peu près. Nous-mêmes, okay? -hmm. nous avons nous 146 communes, en tout et pour tout, pour l'ensemble du pays. Ouais. Alors que, en matière de collectivité territoriale, etc., de municipalité, principe, le principe, c'est le principe de la subsidiarité. Mm -hmm. Ça veut dire que, y a fonction il faut qu'on permette que la fonction s'aille remplie au plus bas niveau de l'échelon que le capable remplit. Comment on voulait que euh, c'est au niveau national que la question de voirie, mm -hmm. la question de salubrité a réglé. Que c'est des pelles mécaniques, Capvin prend Fatra, vous comprenez qu'il saute dans le ministère de l'Intérieur, qu'il saute dans. Ben, Ce pas possible. La, la, la question de salubrité, de voirie, etc., doit être réglée au niveau de la commune. Et il faut que les communes soient équipées pour ça. Maintenant, sous rien des communes. Euh, qui euh, euh, débordaient, n'est-ce pas, avec 3-4 millions mmh. d'habitants. – bon ou, ou pas capable de mmh. Le, gérer les maires seront dépassés. Dépasser, ouais. Donc nous pensons qu'il faut repenser la taille de nos communes, n'est-ce pas, de telle sorte, et aussi doter nos communes d'assemblées municipales. À cause des décentralisation. Est-ce que la Constitution n'a pas prévu ça Oui, il prévoit, lui n'a pas jamais appliqué. Vous songez que lors des élections, ils ont commencé avec l'élection Kazakh, AZEC, l'élection conseil municipal, mais ils n'ont jamais arrivé dans l'Assemblée municipale, ni dans conseil départemental. Ils auraient été à un certain niveau. Il faut que je dis, puisque nous pas d'une opportunité. Pour nous travail sur, euh, n'est-ce pas, une révision constitutionnelle, il faut que nous repensions, question à avoir des communes gérables, avoir enfin des communes beaucoup plus petites. Ce sont des mm -hmm. questions sur lesquelles nous travaillons. Euh, nous avons des séances sur la révision constitutionnelle dans tous les départements géographiques en ce moment, mm -hmm. avec un euh, consortium que nous avons les actions citoyennes engagées n'est-ce pas, eh n'a pas réfléchi sur les changements constitutionnels qu'il qu faut. Et je, je vous assure que la question de la gestion de nos communes eh bien, est une question. Donc nous sommes en train de préparer des dossiers pour que nos capables gagnants aient une meilleure gestion de l'espace et une meilleure gestion des populations également. Mm -hmm. Est-ce que c'est, parce que on fait une comparaison avec la Suisse pour non-blancs, mm -hmm. mais est-ce que ce n'est pas une question d'aménagement du territoire tout, Côté que nous gagnons une forte densité, en pile mon massé sur le côté, alors que bon paquet de côté dans le pays, il là un petit à gauche, après on 2-3 km on a 2-3 encore. Est-ce nous ne part pas de penser à Haïti globalement, dans l'ensemble, et non par rapport à des centres urbains et même par rapport à capitale, que nous tous joua pris la république de Port-au-Prince. C'est ça. et eh bien, justement, le problème le plus grave est au niveau des centres urbains. Mm -hmm. euh, la Banque mondiale en 2017 avait fait une euh, étude sur nos villes, les villes haïtiennes. Elle y montre que dans tout pays du monde, l'urbanisation coïncide avec une augmentation de la prospérité, mm -hmm. alors que en Haïti euh, l'urbanisation sauvage que nous connaissons côté que 60 de la population à vivre dans des espaces urbains au lieu de coïncider avec la prospérité du pays, les coïncider avec la dégradation n'est-ce pas de la situation économique. Donc ce qui signifie que y euh, a des villes qui te prévoient pour 500 000 habitants, je dis à Yogain, 2-3 millions d'habitants à dedans sans les infrastructures qu'il faut mm -hmm. pour donner les services, etc. Donc c'est au niveau des villes, justement, que le problème se pose avec la plus grande acuité. Mm -hmm. Et c'est pour cela que si nous voulons rétablir la sécurité, d'une part, mm -hmm. rétablir un minimum de conditions, acceptable de vie, mm -hmm. il faut que nous pensions sérieusement à la gestion de nos communes. Et il parle des incidences sur euh, l'économie aussi, mm -hmm. parce qu'il y en a à tout que nous-mêmes Haïtiens, que nous gagnons du point de vue économique, tant que tout l'autre pays dans le Caraïbe, c'est le tourisme. Comment -hmm. on est capable d'inviter un touriste vini mm -hmm. N'est-ce pas? Euh, euh, Visiter au Vin jouer de diversité culturelle que vous offrez, etc. Vin jouer de patrimoine euh, mm -hmm. historique et culturel que vous etc. Si ou pas gagnant, n'est-ce pas? Y ont espace qui plus ou moins salubre, mm -hmm. qui est plus ou moins accueillant, etc. Donc, euh, toute question ça, vous parle gagnant, des incidences sur l'économie euh, haïtienne, sur la santé de la population aussi, parce que l'OAP vit dans le FATRA, l'IPAP santé ou et l'ESA, c'est diminuer, diminue force de travail, etc. etc. Donc, euh, ces questions, nous nous penchons beaucoup sur ces questions et nous euh, voulons profiter de la réforme constitutionnelle pour venir avec des idées nouvelles mm -hmm. afin que nous capables d'une meilleure gestion à la fois de l'espace et de la population. Nous parlons de pour mais la dernière partie pratiquement économique. Mais il y une approche qu'on fait, puisque la question ici c'est là c'était qui ça, nous-mêmes, dans ce civil là nous fait. Donc, vous parlez de ça que nous avons pensé sous vous. Est-ce que nous, quoi que nous cap soyons nous avons bien possibilité pour vous, non seulement de jouer document, mais tout appliquer, parce qu'en plus, depuis que nous pouvoir, il pas ça, nous avons dit, si nous, qui côté pas dit, tout est bien, tout est beau, Donk yon pa janm tende sa moun ap diwe, eske nou gen yon monsot de e, mekanisme ke nou pal met an plas pou moun kap sou pouvoy yo, konen ke nou pa ka pense nan fason restrente anko, fok gen implikasyon de tout moun nan, an di, refondasyon ou kofondasyon sosete nou an, ki san gen yon kom mwayen, kom levye ke nou pal utilize pou nou pemet ke san gen yon kom ide yo, pou yon kap ap brije joun moun kap pal deside yo. Au niveau de l'ISC, nous faisons partie d'un consortium qui est l'OCID, mm -hmm. l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie, euh, avec Jury Média. Bon, nous avons CEDH qui était le Centre de des droits euh, humains, euh, qui malheureusement n'est pas très fonctionnel ces jours-ci depuis la mort de euh, sa, sa directrice exécutive, Mme Bajeux. Euh, mais nous travaillons en pile. Sur ce qu'on appelle les politiques publiques. Mmh. Ça fait pratiquement deux ans que NAP travaille sur les politiques publiques. Dans la première année, nous avons travaillé sur les politiques publiques en matière de droits humains, en matière de justice, en matière de production euh, d'énergie et aussi euh, en matière, euh, n'est-ce pas, de lutte contre la corruption. Et la deuxième année, nous avons travaillé sur. Euh, euh, deux grandes politiques, une politique fiscale et commerciale et une politique euh, industrielle et de création d'emplois. Nous avons fait appel à des spécialistes dans ces domaines et non seulement nous avons développé ces politiques, mais nous avons formé chaque année près de 800 à 1000 cadres de la société civile et des partis politiques de, des dix départements géographiques du pays. Nous l'avons fait en ligne, n'est-ce pas, parce que ce n'était pas facile de se déplacer à l'époque. Nous l'avons fait en ligne, sauf que nous nous sommes déplacés pour aller remettre les certificats, etc. Euh, nous avons préparé donc pas mal de cales euh, dans ces, ces domaines. Euh, maintenant, nous ne nous sommes pas contentés de développer les politiques, de préparer euh, des membres de la société civile et des partis politiques dans ces domaines. Mais nous avons fait un travail de lobbying auprès des dirigeants. Nous avons été voir tous les ministères concernés, toutes les institutions d'État concernées par ces différentes politiques. Mmh. Par exemple, euh, les derniers travaux que nous avons faits sur la fiscalité, sur l'industrie, le mm -hmm. commerce et sur... – Production, bah, industrielle, la de production de industrielle, tout, industrielle, création d'emplois, qui est eh bien, important. – nous avons envoyé tous ces documents, mm -hmm. euh, non seulement aux, aux membres, enfin, aux euh, principaux membres du CPT, mm -hmm. euh, du Conseil présidentiel de transition, ça qui a occupé les euh, questions financières, mm -hmm. nous avons envoyé mm -hmm. tout ça au Premier ministre, nous avons envoyé ça au ministère, à la ministre des Finances et de la Planification, etc. Bon, nous espérons, nous espérons un feedback de leur part. Par exemple, sur les questions de production d'énergie, alors, ça, c'était le précédent gouvernement. N'est-ce pas? Nous avions fait aussi un lobbying. Nous avons été voir le ministre d'alors des Finances, euh, M. Boisvert, etc., qui a réuni euh, toute son équipe, euh, chef de cabinet et autres. Nous avons beaucoup discuté là-dessus, et, 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 etc. C'est-à-dire que et, et nous avons fait du lobbying. Nous avons été mm -hmm. voir l'ULCC, nous avons été voir la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Pourquoi nous faisons tout cela? Parce que nous nous sommes rendus compte que malheureusement, il n'y a pas une approche scientifique, n'est-ce pas, de la politique en Haïti. Mm -hmm. La politique se fait, n'est-ce pas, sur une base de zamitaille comme on dit vulgairement chez, mm -hmm. chez nous. C'est-à-dire, en fait, de mounpa, de népotisme, mm -hmm. etc. – Si même si ça l'a Je vais bon. vous raconter une petite anecdote. Mm -hmm. Je connais un Premier ministre qui avait fini de préparer sa déclaration de politique générale et qui m'a dit, euh, « Bon, je l'ai envoyé au président de la République. » Et puis, et, enfin, ce premier ministre qui devait présenter ça devant le Parlement a dit au président, « le Bouhou, même qu'on n'a pas appelé Effectivement. Et il connaissait bien, n'est-ce pas, son ami, quand hum. c'était un ami, et qu'il va pas l'air lire ça parce que son président... Côté que chaque matin, ils ont une réunion avec le ministre des Finances. Là, et c'est là qu'ils ont décidé qui ça a fait, qui a, qui a, qui a dépensé l'argent. Alors mm -hmm. que euh, la politique est une affaire tellement compliquée, n'est-ce pas? Ce un bagage qui multifactoriel. Mm -hmm. En ce sens, qu'on a un bon facteur, ou capablement, il y a tel facteur. Sous pas moins mm. est l'autre facteur ne peut pas joindre les résultats. Résultats quoi Est-ce que si on craint que autres manifestés par rapport à documents à soumettre mm -hmm. ou qu'on craint qu'on partage nos retour, bon on dit structure que là là-dedans. Bon, en tout cas pour l'instant nous n'avons pas encore eu de retour, mm -hmm. mais nous ne pouvons pas, pas euh, Irrité euh, e sur ça, mm -hmm. nous prenons le côté pour, pour, continuer, pour continuer. Pour faire, de faire de le lobbying Et l'autre chose. Toujours dans le cadre de ce projet que nous avons commencé sur les politiques publiques, mm -hmm. nous allons continuer à partir de juillet, et, sur, et ceci sur deux ans, euh, grâce, euh, n'est-ce pas, à un financement que nous avons du National Endowment for Democracy, mm -hmm. n'est-ce pas, eh bien, nous prenons le travail avec les partis politiques. Parce que ce que nous constatons, je le disais tout à l'heure, c'est que. Il n'y a pas une approche rationnelle, mm -hmm. il n'y a pas une approche scientifique de la politique, n'est-ce pas? C'est tout de vous, c'est mm -hmm. son bagage de népotisme et de favoritisme que lié. Bon, euh, même en ce qui concerne les politiques commerciales. Mm -hmm. Si vous avez pris les, les politiques commerciales, par exemple, moi-même, moi, moi j'ai eu, eu un haut cadre qui travaille eu, euh, au niveau du gouvernement qui me disait euh, par exemple que y a tel entrepreneur, tel commerçant, qui contrôlait tel produit, <laughs> pas seulement tel même produit même secteur Pas seulement secteur à il <laughs> contrôlait au moins une euh, vingtaine de sénateurs et près de 90 députés. Mmh. Et Mounsa, il est capable de bloquer n'importe quelle loi qui est à pour ratifier par le Parlement. Par exemple, si vous prenez les accords, ou avez des accords avec le Caricom, mm -hmm. ou des accords avec l'Union européenne, l'accord mm -hmm. de partenariat économique, eh bien, Mounsaio, il a, a bloqué ratification de l'accord. Et m'apprends l'accord de l'Union européenne, par exemple. L'accord de l'Union européenne les permettent à Haïti, tant que tout l'autre pays dans le Caraïbe là, mm -hmm. tout l'autre pays n'a les là, ils ont ratifié ça, et ils ont profité de lui. Et nous-mêmes, nous, -mêmes, nous pas ratifié, donc nous pouvons pas profiter de lui. Son euh, Ce sont des accords qui permettent de voyer, n'est-ce pas, dans tous les pays de l'Union européenne, des produits fabriqués en Haïti sans doigt de douane. Ce mm -hmm. avantage énorme mm -hmm. que l'il nous avons par exemple le Mexique qui est prêt à investir en Haïti pour produire un certain nombre d'articles mm -hmm. euh, enfin, euh, destinés au marché européen. Mais étant donné que. Euh, et, et nous avons une main-d'œuvre en Haïti qui est très habile mm -hmm. et qui est bon marché, n'est-ce pas, le vient profiter de lui, vous comprenez? Eh bien, bah, ça n'a pas capable de faire. Parce que l'accord avec l'Union européenne, l'accord de partenariat économique, n'est pas ratifié. Et ceci, c'est Yomoun mm -hmm. qui contrôlait des parlementaires qui bloquaient ratification à l'accord. Really? Donc, autrement dit, les politiques euh, commerciales ou autres euh, politiques de coopération n'ont pas faites à partir de réflexions sur le bien-être de la population. Mm -hmm sur les questions de création d'emplois, mais à partir de tel monde, par exemple, qui était financé campagne, tel président, et qui, lui-même, les besoins préservés, ont un certain yon pouvoir... nombre de privilèges mm -hmm, que le mm, au niveau commercial. Ce n'est pas une question d'intérêt général a réglé, c'est un petit groupe. En nous gardant dans le contexte, je veux puisque nous sommes sur le bout émission, est-ce que vous pensez ça que vous avez dit là, yon, dans la période transitoire, nous avons commencé Bon, nous-mêmes, euh, nous avons travaillé, nous avons formé des cadres de partis politiques et comme dit, nous avons travail avec les partis politiques pour que dans leur programme qu'ils in intègrent, n'est-ce pas, qu'ils introduisent cette politique publique que nous avons développée sur le plan de la fiscalité, etc. Nous avons déjà amorcé en dialogue avec euh, euh, les dirigeants actuels, puisque mm -hmm. nous voyons euh, toute documentation, ça au et nous parlons pour nous discuter de ça avec eux, etc. Et euh, bon, euh, la question des communes dont nous avons parlé mm -hmm. tout à l'heure, mais pas plus tard que samedi dernier, par ailleurs, euh, j'étais en train de faire une présentation euh, à l'hôtel, au restaurant à La Réserve, euh, avec un groupe de Urbaiti, et qui était là. C'était l'un des conseillers présidentiels, n'est-ce mm -hmm. qu'il est un urbaniste. Donc c'est en sa présence que cette discussion se faisait Donc autrement dit, nous essayons d'introduire ces idées parce que euh, il faut des hommes et des femmes mm -hmm. compétents et intègres pour changer les choses. Mais il faut également de bonnes idées, de bonnes politiques publiques. Et nous-mêmes, euh, c'est dans ça nous consacrer. Euh, Travail, nous. Parce que nous connaissons que euh, si on dit que pas un secret n'a fait qu'au-là, mais le développement du pays passe mm -hmm, mm -hmm. par une maîtrise de, certaines, de, dossiers. Euh, mm -hmm. de, de certains dossiers, mm -hmm. de certaines données et de certaines politiques. En quelques secondes, professeur, si vous avez trois bagages que vous avez pour que les gens qui l'a fait, c'est que ça a été après sécurité. Mm -hmm. Bon, après Sécurité A, hein, euh, moins quoi que bon travail social qui vous fait, mm -hmm. euh, nous avons beaucoup de problèmes au niveau social, euh, qu'il s'agisse des écoles qui n'ont pas pu fonctionner depuis de nombreux mois, mm -hmm. qu'il s'agisse des hôpitaux euh, et des centres de santé qui ont été fermés et qui ont besoin euh, d'un. Pour reprendre euh, de commun, service. De reprendre service, ça, mm -hmm. il faut se pencher là-dessus. Là, là, là et quand je parle des écoles, ce n'est pas des moindres, hein. Mm -hmm. On connaît que Collège Bird, dont j'ai été le directeur pendant de nombreuses années, et y fait main, mm -hmm. ils ont saccagé l'IFEM, etc. Les élèves ont été obligés d'être délogés. Mm -hmm. Chez les sœurs de la LU, c'est la même chose, etc. Donc, euh, du point de vue scolaire. Et, 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 et sans compter d'autres écoles euh, qui ont subi le même sort. Il faut se pencher sur le secteur éducation pour aider ces infrastructures à euh, être réhabilitées, euh, hôpitaux, la même chose, et, 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 etc. Maintenant, l'autre chose, c'est euh, la question des infrastructures. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a euh, des tas de chantiers qu'il faut recommencer. Tout de suite, les infrastructures de la police, les infrastructures pénitentiaires euh, et aussi euh, certaines euh, routes aussi qu'il faut euh, enfin, réhabiliter. Euh, donc euh, euh, le social, les infrastructures à côté de la C. Et puis un système de crédit, n'est-ce pas euh, On va le faire cadeau. On va mettre un système de crédit avec des taux d'intérêt très bas pour permettre aux gens qui ont tout perdu, que ce soit leur maison, que ce soit leur commerce, que ce soit leur business, qu'ils puissent euh, recommencer à fonctionner à partir de crédits avec des taux très bas, pour ne pas dire des taux zéro. Merci, professeur Desroches. Merci à vous-même qui avez suivi l'émission Analyse de Jodia. Nous avons passé en revue ce que fait dans ce et nous avons gagné tout. Professeur, vous avez parlé de propositions qui sont faites exactement par des acteurs de la société civile pour nous capables non seulement de résoudre ouais, la question sécurité à la commune urgence, mais tout après nous résoudre la question de sécurité à. Est-ce que nous avons besoin de vivre pour ça Il faut que nous gagnions d'autres bagailles pour nous faire dans la société, d'autres qui pour réaliser dans le pays, pour permettre que moi-même ou même et chaque monde qui vit dans le pays, a capable d'avoir meilleures conditions de vie. Merci à vous qui d'être nous Pour présenter l'émission Sanopam, c'est Marvin Spierre qui passait chaque samedi matin, sorti 9h ou 10h sous antenne radio et la télé -métropole à télémétropole en même temps. Restez sur Radio avec télévision. Au revoir.